Voldríem obrir un torn de paraula. Si a algú li agradaria fer alguna pregunta, d'algun paral·lelisme, o millor, mira, ja tenim una, dues, tres, quatre, cinc, vuit. Micròfon. Molt bé, vinga, aneu, som-hi. Ha començat el Javi, aquí davant, la primera que s'ha aixecat. No? Vinga, som-hi. Moltes gràcies. El primer, senyor Talamoni, benvingut a Tarragona. Soc regidor de l'Ajuntament i doncs, tinc el plaer de donar-li la benvinguda. Estem molt contents que estigui aquí. Ha estat una exposició brillant. A mi m'agradaria fer una observació i fer una pregunta. L'observació que faig, i és per si vostè la vol corregir, és que jo tinc la impressió que el seu país i el meu han tingut històries bastant paral·leles, bastant, amb moltes similituds, però vostès han patit la imposició d'una administració francesa eficaç i implacable. I nosaltres hem patit la imposició d'una administració espanyola desastrosa i corrompuda. Això hem de dir que en part és un desavantatge per vostès, perquè ens entenguem, França ha sigut una trituradora de nacions i de llengües molt més eficaç del que ho ha estat Espanya, que Déu-n'hi-do també. Poso un exemple, el monopoli de l'educació legítima. França, molt abans que Espanya, va assumir l'educació pública com una manera de formar ciutadans francesos. En canvi, a Espanya, l'educació pública i que arribés a tothom no va arribar fins fa relativament poc. Com un exemple d'uns quants. Per tant, aquesta és l'observació. I ara faig la pregunta. Aprofitant que està vostè aquí i que vostè... Ai, que vostè fa molt llarg, no? Escurso. Aprofitant que està aquí i que vostè els coneix millor que nosaltres, òbviament, vostè creu, o com podem fer, que França, l'estat francès, percebi la República Catalana més com una oportunitat que com una amenaça? Com podem fer perquè des dels seus interessos no vegin en la nostra independència un perill per als seus interessos? I al mateix temps, vostè creu que França acabarà reconeixent la República Catalana i la República de Còrsega? Je vais résumer un peu parce que il s'est présenté comme un élu municipal et il établit aussi le même parallélisme que vous en tant que dans la République ou l'indépendantisme catalan et corse. Mais il dit que la Corse a été dans. Elle a subi des impositions administratives d'un pays, mais des impositions efficaces. Tandis que la Catalogne a subi des impositions chaotiques. Oui. Bueno, d'accord. Il a aussi parlé, donc, il est plus content du monopole, par exemple, en éducation française que celui de l'Espagne. Il dit qu'en France, on a formé des personnes, en Espagne, cela est arrivé trop tard. Ou l'éducation publique, oui. Et j'imagine qu'il pensait aux analphabètes, bon, tout ça. Et la question, c'est que, pensez-vous que la France peut entendre la Catalogne ou la République catalane en tant qu'opportunité et pas comme une menace? Ça, c'est la première question. Et la deuxième, c'est, pensez-vous que la France reconnaîtra un jour la République catalane et la République corse? Bon, sur le premier développement que vous avez formulé, on peut se poser une question. Lorsqu'on a un ennemi déterminé à vous faire disparaître, est-ce qu'il vaut mieux avoir affaire à un ennemi efficace dans son action, ou bien un ennemi qui a une action chaotique? Bon. C'est vrai que la France a été très efficace dans son action de destruction de notre culture et de notre langue, et je pense que même si l'administration française de l'éducation nationale peut avoir eu aussi, à un moment donné,
un effet positif sur des populations en France et en Corse en termes de progression de formation, bien sûr, mais cela s'est fait quand même dans la plupart des pays européens, plus ou moins bien, sans nécessairement détruire les cultures autochtones. On voit des pays d'Europe où ça ne s'est pas produit comme en France ou comme dans l'ensemble contrôlé par l'Espagne. Donc on pouvait très bien concevoir, on aurait pu très bien concevoir une action de formation, ce qui s'est passé de partout dans le monde, et pas seulement d'ailleurs en Europe, presque en tout cas, une action efficace de formation sans une destruction des cultures autochtones. Et nous avons eu, c'est vrai, une administration extrêmement efficace. Alors, je vais vous dire aujourd'hui, elle est toujours relativement efficace pour détruire les cultures. En revanche, elle n'est plus efficace pour former les gens. D'ailleurs, regardez le classement de la France, le classement dans les études PISA de l'OCDE, vous vous rendez compte que la France est extrêmement mal classée. Donc aujourd'hui, alors cette administration de l'éducation nationale française, elle a véritablement plus que des inconvénients, surtout pour des peuples comme le nôtre. Bon, c'était juste une, je dirais, un début de réponse à votre interrogation. Non, je crois que s'agissant de la façon dont la France peut voir les revendications indépendantistes catalanes, je pense qu'elle ne les voit pas avec beaucoup de sympathie. Hein? Voilà. Je pense qu'elle ne les voit pas avec beaucoup de sympathie parce qu'elle se sent elle-même menacée indirectement. Je crois que, voilà, bien sûr, il est tout à fait évident que si demain la Catalogne, si après-demain l'Écosse, bon, il est tout à fait évident que dans l'ensemble contrôlé par la France, il y a la Corse, il y a aussi le Pays Basque, il y a un certain nombre aussi de régions françaises qui n'ont pas forcément de revendications fortes sur le plan politique, mais qui ont des revendications fortes sur le plan culturel et linguistique. Hein, je pense notamment à l'Alsace ou à la Bretagne. Donc les Parisiens voient ça avec beaucoup d'inquiétude. Donc je ne pense pas que pour l'instant, ils soient bien disposés à l'égard des Catalans. Je ne le crois pas. Je ne le crois pas. S'agissant de la reconnaissance par la France de la République catalane et de la République corse, bah écoutez, évidemment que dans un avenir plus ou moins lointain, cette perspective devra se réaliser. Après tout, bon, la France a bien reconnu un certain nombre de ses anciennes colonies comme état indépendant. Donc cela se fera sans doute si nous gagnons. Mais enfin, je pense qu'il ne faut pas attendre que les Français se précipitent pour être les premiers à reconnaître la Catalogne indépendante. Hein. Format persones sense destruir els valors autòctons. Pel que fa a dir que actualment ja no té aquesta eficàcia per formar persones, i ha fet referència a l'informe PISA on surt no, el rànquing de països de resultats educatius i diu que la França no estava ben posicionada i que diu que finalment que França no veuria amb molta simpatia no reconeixeria amb simpatia la república ni la corsa ni la catalana, que segurament ho haurà de fer si els pobles no voten que sigui així com ho va fer amb les colònies que va tenir, però que no serà per demà. Sí, bé, bona nit, benvingut i adiós. Jo tinc dues preguntes. Una és el coneixement i l'ús habitual del cors dintre de la ciutadania del territori, si és molt profund o és poc, i l'altre és el tema de balances fiscals vers París. Il y a deux questions. La première, c'est sur dans la
maîtrise de la langue corse par les Corses. Et l'autre, ce sont les balances fiscales. Sur la question de la langue et de la maîtrise de la langue corse par les Corses, alors c'est très très difficile aujourd'hui de donner des chiffres dans la mesure où il y a une partie très importante de la population vivant en Corse aujourd'hui et qui ne fait pas partie du peuple corse comme communauté de destin. Donc nous avons une conception très ouverte du peuple corse, comme d'ailleurs le peuple catalan. Ce n'est pas du tout une position raciale, bon, c'est ce qu'on appelle une communauté de destin composée de Corses d'origine et de Corses d'adoption. Mais cela suppose une volonté de participer à la communauté de destin de la part de ceux qui sont adoptés. Il y a ceux qui ne sont pas du tout adoptés, qui n'ont pas du tout envie d'être adoptés et qui sont en Corse pour quelques années pour leur carrière. Ceux-là ne font pas partie du peuple corse, mais ils votent et ils sont également concernés par les enquêtes, par les sondages et par les différentes enquêtes qui sont menées. Donc, la proportion de Corses, donc communauté de destin, qui parlent le Corse, c'est très très difficile. C'est très difficile aujourd'hui de donner un chiffre, sincèrement, parce qu'il y a trop de différences entre les types de population. La population qui a vocation à rester en Corse, c'est la population qui s'en ira demain. Hein, voilà. Ce que je peux dire, c'est que la prise de conscience aujourd'hui, elle est totale, alors qu'elle était quasiment nulle il y a 40 ans. Ça veut dire qu'aujourd'hui, tout le monde, tous les élus d'ailleurs, mais les élus suivent la société, tout le monde considère en Corse que c'est très important de maintenir la culture corse, et de développer la langue corse, donc la prise de conscience elle est totale. S'agissant des pratiques, on en vient au cœur de votre question, s'agissant des pratiques langagières, la tendance est toujours au déclin, sans donner de chiffres parce que c'est très difficile, mais ce que nous savons, c'est que la tendance est toujours au déclin, parce que nous n'avons pas encore obtenu ce dont nous avons besoin pour inverser cette tendance, à savoir le statut d'officialité dont vous disposez en Catalogne. Un statut d'officialité. Nous, il a été prouvé par des études scientifiques que, à défaut d'un statut juridique d'officialité, nous ne pourrons pas inverser la tendance. Donc, la langue corse est encore présente, elle est parlée, il y a des locuteurs naturels, évidemment, en particulier en milieu rural, il y en a beaucoup, mais nous sommes toujours dans une phase de déclin. Et si nous voulons inverser cette tendance, il nous faut le statut d'officialité. C'est la raison pour laquelle les négociations avec Paris dans les mois à venir sur cette question vont être très importantes. Ça, c'est pour répondre à votre question sur la langue. S'agissant de la question sur les flux financiers, aujourd'hui, les flux financiers sont, je dirais, encore déséquilibrés parce que l'économie de la Corse a été réduite à néant par les politiques qui ont été menées en Corse. Par exemple, il faut savoir que pendant 100 ans, pendant une centaine d'années, on a appliqué à la Corse une loi douanière qui consistait à détaxer toutes les importations et à taxer toutes les exportations. C'était plus défavorable encore que le système colonial que la France appliquait à ses colonies officielles à l'époque. Hein. Donc ça, ça a été... Aujourd'hui, on n'a toujours pas redresser la barre en matière économique, et c'est ce que nous nous efforçons de faire au prix de mêmes difficultés. Donc, les flux financiers aujourd'hui sont en défaveur de la Corse, à la différence de ce qui existe en Catalogne, on le sait. Donc, c'est la raison pour laquelle je disais tout à l'heure que dans la phase de 5 ans qui est aujourd'hui ouverte, il faut que nous enrichissions la Corse matériellement pour rassurer les Corses sur leur stabilité matérielle. Et ce que je peux dire, c'est que la Corse est un pays béni des dieux qui dispose de potentialités énormes. Que la Corse est riche de potentialités, mais ces potentialités ne sont pas encore réalisées. Donc, la période qui s'ouvre, la période transitoire, doit nous permettre véritablement d'équilibrer les flux financiers et de faire en sorte que les Corses soient parfaitement rassurés à cet égard. J'ai essayé de répondre à ces deux questions.
Pel que fa a la llengua, diu que és molt difícil donar xifres, que no ha donat cap xifra. Diu que hi ha molta gent que viu a Còrsega que no tenen intenció de quedar-se. És una mica com el que passa a Catalunya. Ell parla de la població autòctona i població que ha estat adoptada, doncs com aquí, no? Hi ha adoptats que s'integren, doncs, parlen la llengua i d'altres que no. Llavors, no pot dir cap xifra. El que diu que és molt important que hi ha hagut una presa de consciència, també ho ha dit abans. Sí, i diu que, clar, el que diferencia la llengua, diguéssim, el català, és que no tenim un estatut d'oficialitat i que llavors la tendència és a la baixa, a que cada vegada doncs, es pagui menys el cost, no? Doncs, sobretot es fa servir al camp, no? O als pobles, sí, i que és un dels punts més importants que tenen ara doncs, damunt la taula a negociar amb París. Sí. Pel que fa el parlar del flux econòmic, sí, també diu que és desfavorable. Està molt desequilibrat perquè diu que l'economia va estar reduïda a la nada. Llavors, diu que van passar 100 anys amb una llei de aduanes, que tots els productes que entraven i que sortien tenien una taxa. Llavors, això doncs, ha fet que l'economia n'hagi patit. I bé, ell està esperançat perquè diu que Còrsega és un país que està beneït per Déu, que té un gran potencial econòmic i que és el projecte d'aquests 5 anys és doncs, donar aquest reflux a l'economia. Dues preguntes per valorar la figura del nou president Macron. La primera, estem aquí al seu programa electoral i no hi ha ni una paraula sobre Còrsega. Per què? I la segona pregunta és si Macron d'alguna manera ajudarà Còrsega a tenir un referèndum d'independència. I finalment volia fer-li un prec abans d'anar-se'n, si pot dir algunes paraules en llengua corsa perquè les sentim. Il dit que Macron, dans son programme électoral, ne fait aucune référence à la Corse. Et le référendum, pardon. Pourquoi? Pourquoi non? 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 Si vous considérez que Macron sera pour aider à ce que le référendum se réalise en Corse. Et finalement, si vous pouvez dire quelques mots en Corse pour pour vous dire, c'est aussi mon intention, parce que je me suis dit quand même, dans quelques mots, mais tu as dit, quand on existe cette lingua, il y a une lingua bio, et donc tu as parlé là, et tu as phrasé, encore à quelli qui campano lontano da noi, ma qui s'intéressano a un nostro piccolo paese. Donc, on est à la course davanti a voi, per sentir la musica, per far sentir la musica di la lingua. Alors nous avons un sujet moins réjouissant. Le président de la République française qui va être installé dans quelques heures, puisqu'il n'est pas encore en fonction, mais ça devrait maintenant aller très vite. Je l'ai rencontré comme candidat il y a un mois. Nous avons discuté, enfin, disons que j'ai exprimé simplement un certain nombre de revendications qui d'ailleurs sont difficilement contestables sur le plan démocratique. Puisque je lui ai demandé simplement d'appliquer les décisions de l'Assemblée de Corse. Une Assemblée qui a été élue selon la règle du jeu fixée par Paris, parce que c'est quand même la loi française qui a déterminé le système électoral
de l'Assemblée de Corse. Donc il y a une Assemblée de Corse élue par la règle du jeu de Paris qui a voté en toute liberté et en toute démocratie un certain nombre de choses sur notre langue, sur notre foncier, sur les prisonniers. Et donc je lui ai demandé de faire en sorte que la démocratie soit respectée. Diu que es van trobar fa un mes i que li va fer unes reivindicacions que no podia, Macron no podria refusar perquè era aplicar la decisió de l'Assemblea Corsa, que en realitat és la decisió del poble cors, no? I que havia estat votada pel poble cors seguint les regles del joc que havien imposat a París, és a dir, que era és totalment legítim que respecti la voluntat de l'Assemblea. Je n'ai eu aucune réponse. Bon, il était très courtois, très courtois, très sympathique, très souriant, comme à la télévision, n'est-ce pas? C'était même sympathique, mais cela ne m'a pas totalement rassuré, parce que je n'ai eu aucune réponse. Mais ce qui m'a quand même un peu consolé, c'est que je me suis rendu compte qu'il n'avait donné non plus aucune réponse à aucune autre question pendant la campagne électorale. Donc finalement, la Corse, elle a été traitée comme tous les autres sujets. L'actitud era molt amable, va estar molt simpàtic, però que no li va donar cap resposta. De fet, que no es preocupa massa perquè no va donar cap resposta a cap pregunta o cap demanda que li van fer durant la campanya. Vull dir que no és només per la qüestió Corsa. Je pense que il va y avoir maintenant l'installation du président de la République française, il va y avoir les élections législatives, donc les députés. C'est très important. Et je pense que jusque-là, il ne dira rien sur rien. Il ne dira rien. En revanche, une fois que les élections législatives seront passées et une fois que le gouvernement définitif, enfin définitif en tout cas pour une période raisonnable, sera désigné, à ce moment-là, il pourra, s'il le désire, mais c'est un grand mystère, il pourra, sans prendre de risque, donner des réponses à des questions et s'engager dans des voies plutôt que dans d'autres voies. Et je pense que c'est à ce moment-là que nous allons découvrir ce qu'il veut faire, ce qu'il a dans la tête. Ça peut être mieux que ce que nous avons connu, ça peut être aussi mauvais que ce que nous avons connu, ça pourrait même être pire, mais enfin, nous ne voulons pas envisager cette hypothèse. No es celebrin les eleccions legislatives si estigui el govern format definitivament, que segurament no dirà res. En aquell moment, quan ja tinguin els diputats, doncs ja podrà donar les respostes que ell vulgui i comprometre's en el més sentit que ell vulgui. Llavors, que no sap ben bé, podrà fer millor del que s'ha fet fins ara, igual o pitjor que espera que no. Voilà, simplement, on a bien compris quelle était la tactique électorale donc, du président de la République française, du nouveau président de la République française. Sa tactique électorale, ça a été de ne donner quasiment aucune orientation politique, de façon à pouvoir être à la fois au soutien de la droite, au soutien de la gauche, représentant des uns et représentant des autres. Je pense qu'un certain nombre d'électeurs l'ont soutenu sur un malentendu, mais je ne sais pas encore lesquels. Et personne ne le sait. Donc, en fait, je crois que le véritable président Macron sera obligé de se révéler dans les semaines qui viennent. Et encore une fois, compte tenu des adversaires qu'il avait, et notamment de la finaliste, Marine Le Pen, bon, finalement, les choses auraient pu être à cette heure-ci encore pire, parce que si nous ne savons pas ce que veut faire Macron, en revanche, ce que voulait faire Marine Le Pen, nous le savons. Diu que, segons la tactique électorale de Macron, és, en realitat, no orientar-se ni cap a la dreta ni cap a l'esquerra, sinó esperar a veure què li demanava, no? Llavors que una gran part de l'electorat l'ha votat basats en un malentès, que no se sap encara quin és. Però tot i així,
s'haurà de manifestar, no?, en les setmanes o en el temps que vindrà, i que tenint en compte l'alternativa, el de Marine Le Pen, doncs que més val que hagi quedat Macron com a president que no. Voilà. Donc simplement, nous allons évidemment demander à rencontrer les membres du gouvernement très rapidement lorsqu'ils seront désignés, de façon à faire valoir les revendications qui sont les nôtres. Nous voulons vraiment engager le dialogue parce que nous avons besoin effectivement d'avancer dans les négociations avec Paris. Donc pour l'instant, nous sommes évidemment dans l'incertitude, mais en revanche, nous savons bien ce que nous allons dire et ce que nous allons revendiquer. Bé, diu que el que sí que és clar és que ells, en quant tan aviat com puguin, doncs, demanaran a trobar-se amb el nou govern per fer les seves reivindicacions i que ells sí que saben exactament el que demanaran. Fem la darrera pregunta. Hola, diré ràpid. Merci beaucoup, monsieur Palamoni. Llavors, em sembla admirable aquests dos trets, no sé si dir-li del caràcter o la psicologia nacional del poble cors, l'agitació i potser encara més la resistència, tenint en compte el nombre, perdó per la veu, el nombre, el poc nombre d'habitants que té la nació corsa. I dues preguntes molt concretes. Quin és el percentatge a l'actualitat actualment entre autonomistes i independentistes? Segona qüestió, quina relació, la que es pugui dir, tenen amb el govern de la Generalitat en l'actualitat? Bé, dic que és admirable ces deux traits diferenciels du peuple corse que vous avez dit, c'était agitation et résistance. Oui. Compte tenu le peu d'habitants que vous êtes. Non, les questions c'est quel est le pourcentage d'autonomistes et d'indépendantistes dans l'Assemblée et quelle est la relation de l'Assemblée avec la Générale. Alors. Donc nous avons la majorité relative et non pas absolue. Nous avons manqué la majorité absolue pour peu de voix. Puisque nous avons donc notre majorité donc à 24 sièges sur 51, donc en théorie et arithmétiquement, nous pouvons être mis en minorité par l'opposition à tout moment. Mais à condition, bien entendu, qu'il fasse l'union depuis le Parti communiste jusqu'au Front national de Mme Le Pen. Ce qui est quand même difficile politiquement, et donc depuis un an et demi, ils ne l'ont pas fait. Diu que tenen una majoria relativa, són 51 diputats i tenen 24. Llavors que sempre estan una mica dependent del que els altres votin, però que seria molt difícil que es posessin d'acord perquè, clar, és tot l'espectre, no, des dels comunistes fins als nacionals, lepenistes. Donc c'est la raison pour laquelle, pour l'instant, nous avons pu travailler, faire passer notre budget et également faire voter pour toutes les orientations qui étaient les nôtres. Hein. Donc nous avons beaucoup travaillé sur des sujets qui sont parfois très politiques, parfois plus techniques, mais pour l'instant, nous avons fait progresser quand même beaucoup, nous le pensons, les affaires de la course, et notamment sur une autre manière de faire de la politique. Molt bé, fins ara, doncs, gràcies a això han pogut votar favorablement a totes les propostes que ells han posat sobre la taula. La segona. La relació entre l'Assemblea de Corse i la Generalitat. Alors, notre majorité, la majorité de l'Assemblea de Corse, donc autonomiste et indépendantiste, mais majorité unie, hein, donc il n'y a pas du tout de nuance particulièrement sur la question catalane. Notre majorité soutient le gouvernement catalan, soutient la marche des Catalans vers l'indépendance et elle soutient la Catalogne sans la moindre hésitation, qu'il s'agisse du président du conseil exécutif
et des membres du conseil exécutif, qu'il s'agisse du président de l'Assemblée et des membres de la majorité, hein, je ne parle évidemment pas pour les membres de l'opposition, mais je parle pour les membres de la majorité, nous soutenons. D'ailleurs, nous avons, s'agissant du courant autonomiste, nous avons des relations très anciennes avec le mouvement indépendantiste catalan, mais je dois dire que ce soutien n'est pas seulement le soutien des indépendantistes qui siègent aujourd'hui dans la majorité, mais ce soutien est celui de l'ensemble de la majorité des institutions de la Corse. Bé, que es recolzen completament al govern català i el projecte de la independència, que tenen relacions des de relacions molt antigues amb ells. I bé, bé, abans d'acomiadar l'acte, només dir-vos que existeix l'Associació d'Amics Catalunya Còrsega, que està vigent i que la podeu buscar per internet si voleu i trobareu tota la informació. També dir-vos de la importància del senyor Talamònic, que avui està rebut pel nostre Parlament, per la nostra presidenta del Parlament, per el Carme Forcadell, que l'ha rebut aquesta tarda. També està rebut per el delegat del Govern de la Generalitat de Catalunya, per senyor Òscar Peris, i bueno, aquest és el motiu que hi ha vingut 10 minuts tard. En qualsevol cas, Lars Maria ara acomiadarà l'acte. Moltes gràcies a tots i gràcies al senyor Talamoni també. Merci vraiment du fond du cœur, a ringraziarvi a tutte e a tutti, a ringraziarvi veramente di cuore. Fem cloenda, doncs, de l'acte. Moltes gràcies a tothom per haver assistit. Moltíssimes gràcies als amics del poble cors i el poble català que els tenim aquí, que han vingut, i que els vull dir, són aquí davant, tots tres, que l'han acompanyat, que tenen una relació molt estreta amb aquest agermanament de fa molt de temps i que els llaços són molt profuns. Per tant, han volgut acompanyar-lo a Tarragona. Nosaltres us ho agraïm. Moltes gràcies, Jordi, companyia. Estem molt contents. I nosaltres, evidentment, satisfets. Satisfets d'haver tingut entre nosaltres el senyor Talamoni. Merci, monsieur. Nous sommes très contents. Je vous remercie beaucoup parce que pour nous, vous voyez, c'est très intéressant. Il y avait un public qui l'était pendant de vous tous les temps. Tous les temps que vous avez parlé. C'est pour ça que c'est très intéressant. Dic que hi ha hagut un públic molt atent, que és veritat, molt interessat, tot i no entendre, però ho hem d'agrair molt a la Cecília, que ens ho ha facilitat. Un aplaudiment. Gràcies, Cecília. Gràcies. I nosaltres ens felicitem perquè doncs, fem aquest cicle de conferències, Parlen els pobles, i tancarà el dia 23 la vicepresidenta del nostre govern, la senyora Neus Munté. La tenim ja, tenim concertat, ja tot tancat, i aquesta vegada ho farem a l'aula magna de l'URB, en la qual esperem que hi siguin. Desitgem, com dèiem a la presentació, que el poble cors, el poble català, avancem plegats cap a la llibertat de la nostra gent. Per tant, amb aquesta esperança, moltíssimes gràcies i a continuar treballant perquè no hem acabat. I com sempre, tenim un record per nosaltres oferir al senyor Talamoni i també a la nostra traductora. Moltíssimes gràcies, Cecília. Gràcies a tots, eh? Bona nit, adeu-siau.